Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre première leçon de broderie. Donc ici, la première leçon est une leçon tout à fait pratique. Je vais vous montrer comment préparer votre tambour ou votre cercle de broderie. Donc ici, j'en ai pris un tout petit en bois, mais bien sûr, il en existe dans toutes les tailles sur le marché en mercerie. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut préparer le cercle intérieur. Et là, j'ai entouré tout autour le cercle avec une bande de tissu. Et ce petit rembourrage va permettre de protéger le tissu que vous allez utiliser pour votre broderie. De cette façon, lorsque vous allez le poser, ensuite, vous allez passer par-dessus votre cercle. En appuyant, vous n'allez pas casser la trame du tissu. Donc, vous savez, le tissu est composé de fibres qui s'entrecroisent de façon perpendiculaire. Et si je n'avais pas fait le rembourrage sur le cercle intérieur, les fibres de mon tissu, donc de celui que je vais utiliser pour ma broderie, se casseraient et ils s'abîmeraient. Donc voilà. J'ai placé maintenant mon tissu sur le cercle de broderie. Je le tends. J'appuie par-dessus. Et donc, le cercle intérieur et le cercle extérieur sont parfaitement juxtaposés. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon de point de broderie. Merci.